pas un anarchiste renverseur de tous les partis, mais un philosophe sans malice qui donne des conseils aux amis. Si jamais vous avez une cuite, mal dormi sur votre traversin, un corrompier, flémagiste, n'allez jamais voir un médecin, car ce sont des étrangers. Pour 10 absences qu'on ne digère pas, ils ordonnent la diète d'une semaine et vous demandent 40 francs pour ça. Les médecins, c'est des coquins. Déjà tout jeune, ils nous embêtent lorsque dans le monde on veut entrer. Et messieurs vous tirent par la tête, voir si l'on n'est pas mort-né. Plus tard, quand on est militaire, nous avons le médecin-major qui vous sonde le nez, les paupières et toutes les autres parties du corps. Il vous retourne pour voir si on lousse, puis vous fait faire le grand écart. Et vous fourre après dans la bouche, on voit qu'il vous a mis quelque part. Oh là là, les médecins. Oh, mais c'est des coquins. Pour une migraine des plus légères, ils vous endorment immédiatement. Vous supprimez les os maxillaires, ils vous font faire le coup du trépan. Quand on va dans leur dispensaire, ou chez eux, ça coûte de l'argent. Ils vous disent, il n'y a plus rien à faire, vous êtes foutus, fichez-moi le camp. Quand c'est votre femme qui est gentille, pour un bouton qu'elle a sur le cou, en deux temps, il a des habits. Elle rentre enceinte et c'est pas le bout. Oh, les médecins, c'est des coquins. Enfin bref, ils nous en kilos, nous tirent la langue, nous regardent le blair. Moi je prétends qu'ils font qu'une chose, la concurrence à des blairs. Mais je suis là que je m'époumonne à hurler contre ces messieurs. Mon Dieu, au secours, je positionne, je suis pris la balle mystérieuse. Oh, je sens ma colonne vertébrale qui ne peut plus du tout fonctionner. Je suis perdu. Y a-t-il dans la salle un monsieur qui voudrait me sauver? Vous, monsieur? Oh, tant mieux. Les médecins, c'est des chérubins.